Salut les amis. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo, donc on fait une petite vidéo sur l'avancement des travaux de Max, la peinture de la cabine. Et puis, bah, si quelqu'un s'allume dessus, enfin voilà. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Non, c'est pas décidé comme ça. On va continuer. Alors, peut-être à notre rythme, parce que les vidéos, faut que le camion il avance aussi. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a une pénurie de matériaux. Tout ce qui est métal et ainsi de suite, le bois, tout ça. Voilà. Alors, au niveau tarif, le métal, il a pris cher. Là. Il a pris bien 40%. Donc, je suis en train de réviser un petit peu mes plans par rapport à Max, où j'avais prévu au point de départ faire toute la structure métallique de Max. Mais vu la difficulté pour avoir tout ce que j'ai besoin en métal pour faire la caisse, du coup, je suis en train de revoir ça. J'essaie de trouver une cellule, enfin une caisse frigorifique ou une caisse en polyfond. Ce qui n'est pas évident à trouver, parce que soit elles sont pas assez larges, soit elles sont trop longues. Ce qui me demande un peu plus de temps pour ce projet, et donc du coup plus de temps, et du coup pendant ce temps-là, je ne fais pas les travaux sur Max. Là, je vais vous présenter un petit peu ce qui a été fait ces derniers jours, enfin ces dernières semaines sur Max, depuis la dernière vidéo. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't know what you need.
Parce que dessus, après, on va rajouter une déco qui, elle, sera brillante. Il me reste juste par choc devant à finir, mais là, je suis en train de chercher donc mon treuil pour voir un petit peu la disposition où ça va aller. Il faut que je reperce, enfin, je veux le pré-assembler avant de peindre, de façon à prévoir mes trous pour l'installation du treuil. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas peint. Et puis, j'ai tout un calandre à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la calandre, elle est pétée à ce niveau-là. Pour toute la partie avant, là, je vais refaire en fait une façade sur toute cette partie-là, en nid d'abeille, avec une incrustation d'un logo dedans, le logo de Max. Voilà. Ce qui a été fait, donc, ces derniers temps. Donc j'ai récupéré mon réservoir. On va aller voir ça. Voilà, un gros réservoir pour un petit max. Donc réservoir de 400 litres. Et après ils l'ont vu sur Insta, ouais. Il est en photo. Mais et où on fait voir. Non. Ouais. Et donc le réservoir se ferme à clé. Dans ce sens-là. Je tourne dans le même sens que je tourne. Mais moi, dans ce sens-là. Voilà. Donc, avec le système de fermeture à clé. Chose qui n'avait pas au point de départ, hein. Évidemment. En même temps, j'allais refumer où ? Il est là. Voilà. Ah ouais. Parce que bon.
Sur Max, à l'origine, c'est un tout petit réservoir. Hein. Je sais même plus combien il fait. 120 litres, je crois, un truc comme ça. Et donc, il y avait juste ce système de fermeture. Donc, c'est youpi pour celui qui veut se servir, quoi. C'est la fête du gazelle, quoi. Donc, celui-ci est plus gros. Beaucoup plus gros. Voilà. Donc là, j'ai encore des petits détails à voir pour mes petits chassons. Parce que du coup, les fixations d'origine, enfin de l'autre réservoir, ne vont pas avec celui-ci, il est beaucoup trop gros. Seulement, j'ai mes trous de fixation qui ne tombent pas juste en face sur le châssis. Donc, je regarde si j'ai moyen de percer le châssis ou s'il faut que je refasse une autre fixation derrière. Voilà. Là, il est prémonté sur les trous qu'il y avait, mais c'est que j'ai que deux vis de fixation, donc c'est pas assez. Donc il faut que j'ai encore ça à voir. Il faut vraiment installer. J'ai aussi mon raccordement électrique de Max. Et ça, c'est le raccordement d'origine qu'il y avait sur Max. Et malheureusement, le raccordement électrique pour la sonde, c'est pas la même connectique. Donc, faut que je trouve la bonne connectique pour le raccorder. Voilà. Pour le reste, j'ai pas trop de soucis. C'était la même chose. Ça, c'est l'ancien système de connexion qui est là. Et là, il y a le nouveau. Donc, qui est pas du tout le même. Donc, faut que je vois comment raccorder les deux. Voilà, c'est plein de petits détails, mais en attendant, pour l'instant là, ça avance pas. Et puis, nous avons récupéré le coffre. Donc voilà, j'ai commencé à préinstaller, enfin, préinstaller, voir un petit peu la disposition des coffres. Donc, c'est les coffres qu'on a mis. On a l'arrière. Il écrase ton coffre. Ouais, en même temps, il vient du bon coin, mais d'occasion, on va le nettoyer et puis les repeindre de la même couleur que la cabine de Max, et puis voilà, ça ira bien. À la base, j'étais monté sur un Unimog. Et là, c'est pour voir un petit peu la disposition, comment ça va se passer. Parce que là, j'ai mes garde-boue qui vont venir là, sur la roue arrière. Sont fixés là par les deux trous, donc j'ai deux grandes tiges qui viennent là avec les garde-boue. Mais comme j'ai ma longueur de caisse finie, juste ici, voilà, ça c'est ma longueur définitive de ma caisse qui s'arrête là. Donc soit je décale mes coffres à ce niveau-là, ce qui va me laisser de la place sur cette partie, et je fais fabriquer un système de garde-boue avec des coffres intégrés dedans, où je laisse reculer et je positionne mes feux. Je sais pas trop encore, je réfléchis. Il y a plein de petits détails comme ça, mais ça va me déterminer aussi par la suite. Ma disposition dans ma caisse en fonction si je la biseaute vraiment sur cette partie-là, je veux dire le biseau du coffre à remonter sur la caisse, ou je recule mes coffres et je remonte droit sur la caisse derrière, je garde juste le biseau du coffre derrière. Puis des petits détails encore, je demande un devis pour mon fameux coffre là. Je pense que déjà ça va me déterminer si je fais faire ou pas. Mais il y a d'autres coffres qui doivent arriver, non ? Oui, j'ai un autre coffre de l'autre côté qui est commandé qui doit arriver. Mais bon, il met un peu de temps parce qu'il vient de Pologne. Là, j'ai un grand coffre, ici, qui vient là. Donc, toute la partie, là, en fait, qui était dans la caisse, le petit boîtier, là, qui sert de gonflage, ça va directement sur le compresseur. Ça me sert de gonflage, en fait, pour les roues. On est dans le sable, là. Si on veut dégonfler et regonfler les roues. Ça, faut que je le déplace parce que j'ai mon coffre qui est vraiment à ras ici et à l'autre bout, voilà, au niveau du garde-boue, ici, j'ai un coffre. Et ce coffre, ça arrive dans le coffre directement.
Voilà, comme ça, j'en ai juste un. Comme ça, il arrive, il est en cours, il est en chemin. Donc, je vais voir quand ça va être positionné. Peut-être que si je vois que la place est un peu juste par rapport à mes garde-boue, je changerai avec l'autre côté le réservoir. Enfin, des petits détails encore. En fonction de mes... Tu vas voir tes réservoirs aussi qui vont arriver, d'eau grise. Ouais, j'ai trouvé des réservoirs que j'ai allé chercher. Ah, non, sinon ils vont pas arriver. Hein? Là, je vais aller chercher. Ils vont pas arriver comme ça. Donc oui, j'ai deux réservoirs d'eau grise qui vont venir à l'intérieur ici. Voilà, ce qui va me faire 300 litres d'eau grise. Voilà. Pour 600 litres d'eau propre. Je suis en train de chercher un groupe électrogène que je voudrais installer juste à l'arrière. En dessous, là. Voilà. Ici, parce que là, j'ai mes balles d'eau glisse qui vont être là. Donc, le groupe électrogène. Le groupe électrogène qui va venir ici. Et puis, juste derrière ici, j'ai encore... Putain, je mange tous mes mots ce soir. T'es fatigué. T'as pas encore bu l'apéro. C'est terrible. J'ai encore donc un autre truc qui vient à l'arrière, juste derrière le groupe électrogène à ce niveau-là. Voilà. Donc bah, tout ça, ça va faut que ça rentre dans le châssis avant de pouvoir poser donc une cellule dessus. Voilà. Tu sais à quoi je suis en train de me rendre compte? Regarde, on fait de la publicité pour... Pour qui? Ah là là. Et ça, c'est pas possible. Et puis tu couperas parce que j'ai toussé. Ah. Et encore, j'ai pas pété. Donc on va la refaire. Donc oui, j'ai les vagues d'oblise qui vont venir à ce niveau-là dans le châssis. Voilà, j'ai le groupe électrogène qui vient dessous, là, à ce niveau-là, il faut que je fasse des fixations. Et derrière, j'ai un treuil, donc je pense que ça va être un treuil de 6 tonnes, qui va venir juste derrière ici. Voilà. 6 tonnes, ça va suffire? Ouais, ça va suffire. En fait, le treuil de 6 tonnes derrière va servir pour les deux roues de secours, et puis si on veut rajouter un porte-vélo, porte-moto, porte... Donc là, j'ai trouvé, sur le bon coin pour le moment, deux caisses. Donc une c'est une ancienne caisse frigo, qui fait 5,60 m de long, je crois, si j'ai bien compris. Et puis l'autre, c'est une caisse en polyfond, qui fait 5,30 m de long. Problème, c'est que quand je leur demande un tarif pour la livraison, j'ai plus de nouvelles. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a une caisse en polyfond ou en isotherme, je suis intéressé parce que du coup, moi, ça me fait changer mon projet par rapport à cette fameuse pénurie de métal. Que je puisse monter quelque chose dessus, hein, c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu ma recherche en ce moment où j'y passe pas mal de temps et je veux pas un truc non plus pourri quoi. Je sais que je vais la retailler, que je vais la recouper derrière, que voilà, c'est pas mal de choses à mettre. Rien, j'étais dans le noir. Ah. Mais voilà, j'ai ce souci de caisse pour le moment qui me pose problème. Donc c'est pour ça qu'on fait pas beaucoup de vidéos, parce que je passe beaucoup de temps à chercher des pièces pour Max, que ce soit mon réservoir, ainsi de suite, mes coffres. Pendant que je cherche tout ça, en fait, je fais pas de vidéo. Voilà. Et donc, quand j'aurai déjà tous les éléments, les choses pourront avancer beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de vidéos. Si je filme. Ou c'est si ça, si tu as la dispo pour filmer. Ça serait bien pour vous abonner. Tu es de la dispo pour filmer. Tu vois, s'ils sont tous en train de dire où est-ce qu'on est passé. Non, non, on revient, on arrive. Mais c'est un petit peu long parce que,
quand on manque de matière, de produits, de... Du coup, ça fait changer les choses. Et bah, du coup, c'est du temps qui n'était pas prévu dans l'avancement du projet. Donc, bah, du coup, voilà. Moins de vidéos. C'est comme ça. Mais ça va finir par avancer. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Qu'est-ce que là? On est bien? Ah oui, petit élément aussi. On va aller le week-end du 11, 12, non c'est 12, 13, oui le 12, 13, on sera sur le salon du SVA à Nantes. Donc si vous êtes dans le coin, passez nous faire un petit coucou. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Oh, would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I'm vous remercie pour tous vos messages, nous demandant une vidéo. C'est vrai, j'ai boudé pour filmer. Et comme Nico oublie généralement de se filmer, mais merci du fond du cœur, de votre soutien. Nos vidéos resteront volontairement des vidéos amateurs, qui nous ressemblent, d'abord pour nos familles et nos amis, et pour vous, avec qui on crée des liens. Merci, ça nous touche beaucoup.